Bonjour et bienvenue à une autre capsule Parlons mariage. Je suis accompagné de Sabrina Pantaloni. Comment ça va, Sabrina? Ça va super bien, et toi? Ça va très bien, merci. Toujours des sujets intéressants. À chaque fois qu'on prépare un sujet, on se dit toujours, ah, faut parler de ça, faut parler de telle affaire, puis tout ça. Même que c'est difficile des fois les catégoriser, des fois on a peut-être tendance à élargir un petit peu, mais on va essayer de rester concentré aujourd'hui sur le comment bien choisir son cortège. Peut-être que j'ai envie de te poser la question pour commencer. Comment on peut évaluer quelqu'un qui fait partie du cortège? Pour moi, personnellement, j'y vais avec mes valeurs principales et je pense que c'est une belle façon de faire, probablement, de miser sur qu'est-ce qui est important pour moi, ça va être quoi mes attentes, c'est quoi l'implication, c'est des points déterminants, puis est-ce qu'on les veut pour des belles images ou est-ce qu'on les veut pour qu'ils nous accompagnent dans ce beau projet-là qu'est le mariage? Fait que j'irais probablement dans ces points-là, puis personnellement, le cortège serait très petit pour la raison que moi, j'ai des frères. J'ai pas de sœurs. Fait que probablement que je choisirais mes frères dans mon cortège. Ça serait pas traditionnel du tout. Ça serait mes frères à mes côtés pour profiter de ces moments-là avec moi. Fait qu'il y a pas de casse-tête de robe. Il y a pas de casse-tête de coiffure, de maquillage. Il y a juste moi à quoi je pourrais me préoccuper à ce niveau-là. Fait que ça, c'est si on parle des demoiselles et des garçons d'honneur. Bien sûr, on va aborder le rôle, l'importance, comment les choisir et qu'est-ce qu'il faut éviter lorsqu'on fait ces choix-là. Parce que sincèrement, je pense que tu as très, très bien la façon de choisir son cortège. Tu as déjà comme une façon prédéterminée, toi, de déterminer comment on choisit efficacement son cortège. Ben, enfin, premièrement, lorsqu'on parle de cortège, oui, on parle de demoiselles, garçons d'honneur, mais on peut inclure les parents aussi. On peut inclure, si vous avez bouquetière, tu sais, les gens qui vont être impliqués. Moi, j'ai envie même d'ajouter là-dedans les gens qui vont faire des discours. Tu sais, c'est des gens qui vont être importants pour la journée du mariage. Moi, c'est sûr que je vais miser beaucoup, beaucoup, beaucoup sur la communication. Communication qui veut dire de définir nos attentes aussi. Parce que c'est beau nommer une amie à être demoiselle d'honneur, c'est beau nommer un ami à être garçon d'honneur, d'avoir un couple qui sont demoiselles, garçons d'honneur, mais qu'est-ce qu'on s'attend d'eux? Et ça, lorsqu'on fait la demande pour des demoiselles et des garçons d'honneur, c'est d'établir nos demandes. À quoi on doit s'attendre de ces personnes-là. Puis si vous vous posez la question, là, j'ouvre une petite parenthèse comme ça, si vous vous dites, ouais, mais à quoi on peut s'attendre? Parce que c'est le premier mariage, puis on espère être le seul mariage qu'on va organiser. J'ai d'ailleurs un petit bouquet là-dessus sur ma boutique, Monsieur Mariage, qui explique un peu c'est quoi les attentes, qu'est-ce qu'on peut définir comme tâche pour demoiselles et garçons d'honneur. Puis vous allez sûrement vous rendre compte de dire, oh, j'avais pas pensé à cette partie-là, j'avais pas pensé à ça. Tout ça peut se faire, j'ai envie de dire, la journée même. Parce que moi, lorsque j'anime un mariage, je fais un petit caucus avec les demoiselles et les garçons d'honneur, puis j'y rencontre, puis je me dis, OK, toi, je m'attends à ce que tu fasses telle, telle chose. Toi, je m'attends à ça. Juste, je vais donner un exemple très, très simple. Le livre des signatures. Si vous avez un livre de signature, lorsque les gens arrivent, déléguer, puis ça, je trouve que c'est des jobs le fun pour les garçons d'honneur, déléguer un ou deux garçons d'honneur. Puis dites-leur, moi, c'est important que tous mes invités signent le livre de signature. Ne demandez pas ça au DJ qui va l'annoncer 14 fois au micro, puis qui va, entre guillemets, perdre la crédibilité en l'annonçant, puis en le réannonçant au micro. Les gens vont dire, voyons, il est tannant, l'animateur, il répète toujours la même chose. Même que s'il n'y a pas de garçon demoiselle d'honneur, puis on me le demande à moi de l'annoncer au micro, je vais faire la job d'un garçon d'honneur, puis je vais faire le tour pour le dire à chaque personne. Puis la personne qui est en train de signer, là, ben, je ne dirais pas, elle est en train de le faire. Ou la personne qui a déjà signé, ben, je ne m'attarderai pas à elle, contrairement peut-être à une annonce au micro. Donc, choisir le cortège au départ, moi, je pense que c'est de définir les attentes. Qu'est-ce qu'on veut qu'ils fassent la journée du mariage, mais aussi avant, dans les préparatifs. Est-ce que vous vous attendez en tant que mariés et eux, filles, qui viennent magasiner la robe avec vous? Si vous dites, moi, c'est important que mes demoiselles d'honneur viennent avec moi, ben, c'est important de le définir lorsque vous faites la demande. Moi, je définis telle date, on va magasiner ma robe, je veux que vous soyez là absolument. S'il y en a une dans la gang qui vous dit, ouais, mais moi, je suis pas disponible, je suis en vacances, je suis parti en Floride, je suis pas disponible, ben, au moins, c'est défini, on le sait d'avance. Donc, d'où l'importance, il n'y a pas de déception, d'où l'importance de définir nos attentes.
définir nos attentes et en plus, c'est pas obligé de sortir une grande, grande liste pour donner à chacun des membres de votre cortège, voici la liste de qu'est-ce qui va se passer, voici les dates toutes d'avance, mais parlez-vous, faites-vous des groupes sur Facebook, faites-vous des groupes de discussion, tu nous parlais tantôt, la communication c'est important, en ayant un groupe où est-ce qu'on discute, on échange et on prend des décisions ensemble aussi, ça peut nettement vous aider. Et éliminer toutes sortes de frustrations parce qu'effectivement, le choix de la robe, des fois, on le voit beaucoup sur les réseaux, les gens sont perturbés, ils savent pas, je veux pas y aller tout seul, on veut notre gang avec nous pour profiter de ce moment-là, mais des fois, si vous en parlez pas avec eux, vous arrivez avec une date, ça se peut que vous soyez déçus si vous leur imposez une date sans les avoir consultés sur leur disponibilité avant. Au même titre que il y a beaucoup d'étapes dans le mariage, il y a beaucoup de avant et pendant le mariage, de petits détails que le cortège ne sera pas nécessairement au courant qu'ils doivent s'impliquer ou que vous vous attendez à ce qu'ils soient impliqués, bien de le mentionner, de le dire, on va faire ça, ça, ça ensemble, dès le départ, que ça soit léger, que ça soit simple, je pense que c'est la meilleure façon de le faire parce que on s'entend, puis tu en as parlé un petit peu, mais je veux revenir là-dessus. Ne choisissez pas des couples nécessairement parce que des fois, vous avez, par exemple, une personne super proche de vous, vous avez un frère, vous avez une sœur, puis vous prenez d'office le conjoint ou la conjointe de cette personne-là. Des fois, vous ne les connaissez pas beaucoup. Des fois, vous les connaissez à peine ou pas du tout. Puis des fois, c'est des personnes que ça fait longtemps qu'ils sont en famille, mais vous allez donner peut-être une importance à cette personne-là qui est moins proche de vous que votre meilleur ami, qu'une autre personne, une bonne connaissance, un collègue de travail qui est super présent dans le cours de vos journées, puis que vous parlez régulièrement avec cette personne-là. Fait que peut-être y aller avec des gens qui vous rejoignent, qui vous connaissent bien, qui connaissent vos choix, un petit peu plus que des personnes qui sont juste d'office, le conjoint ou la conjointe de. Ça va beaucoup de casse-tête, beaucoup de perturbations, parce que la personne aussi ne voudra peut-être pas refuser d'être dans votre cortège, votre demoiselle d'honneur ou votre garçon d'honneur. Ils vont le prendre le rôle automatiquement, puis ça va-tu créer des frictions? T'sais, on veut-tu éviter toute forme de friction, surtout des frictions de famille? On ne veut pas ça lors d'un mariage, fait qu'on évite de faire des choix pour faire des choix. Je pense que chaque décision pour un cortège, puis tu es d'accord, je suis certaine que tu es d'accord avec moi là-dessus, chaque décision d'inclure quelqu'un dans son cortège est une décision importante et à ne pas prendre à la légère. C'est pour ça qu'on vous en parle aujourd'hui. Et donnez-leur l'opportunité de vous dire non aussi lorsque vous faites la rencontre avec les futures demoiselles, garçons d'honneur, vous définissez vos attentes, puis à la fin, vous dites, est-ce que vous embarquez là-dedans? Tu sais, c'est comme un contrat. C'est pas immense comme contrat, mais quand même, c'est une entente qu'on définit ensemble pour que les amis demeurent de bons amis aussi. Tous les problèmes, tout, puis je passe peut-être quelqu'un pour qu'il généralise, mais je vous garantis une chose, tous les problèmes que je vois dans les histoires de demoiselles, les garçons d'honneur. C'était une bonne amie, puis là, finalement, c'est plus mon amie, puis là, j'ai enlevé de mes demoiselles d'honneur. Tous les problèmes, demoiselles, garçons d'honneur, viennent du fait que les attentes n'ont pas été définies à la base. J'ai jamais vu, moi, une mariée qui a défini ses attentes à la base, puis qui est arrivée à la fin, ah, ils n'ont pas suivi, ils ne m'ont pas respecté. Non, si vous définissez vos attentes, puis les gens sont au courant, ils vont vous suivre, ils vont embarquer, puis c'est là que ça peut être plaisant. Je reviens sur une publication que j'ai vue passer, tu l'as sûrement vu passer au cours des dernières semaines, une fille qui avait fait justement un contrat, que c'était très défini, c'était très clair, moi, j'ai adoré ça, elle a reçu son lot de critiques pour se dire, ben là, t'en demandes beaucoup, puis tout ça, ben non, j'ai trouvé ça le fun, la façon que c'était fait, j'ai trouvé ça plaisant. Elle connaît ses amis aussi, était peut-être capable d'accepter certains termes, certains mots qu'elle a utilisés là-dedans, mais j'ai trouvé ça tellement intelligent de la façon que ça a été fait, et toujours en se disant à la fin, ben ils ont le choix de dire non, là, t'as défini, tu t'attends à ça, ben regarde, tu t'attends à avoir, je sais pas, un enterrement de vie de fille, puis ça te prend un souper dans tel restaurant, mais tu veux pas aller dans un bar de danseurs par après, ben c'est là que c'est le temps de te définir. Tu sais, dis-toi pas après, dans deux semaines, « Hey, ils m'ont emmené dans un bar puis que je voulais pas aller là. » Ben, si c'est défini, communication, très, très, très importante. Tantôt, on disait que le cortège chez les demoiselles et garçons d'honneur aussi, je vais aller un petit peu plus loin, je vais parler des parents, mais avant, peut-être aussi, boucotière, implication des enfants aussi. Juste faire attention, selon l'âge des enfants, moi, je vois souvent des enfants qui, lorsque le début de la cérémonie, exemple, est à 3 heures, c'est un enfant de 2 ans et qui doit apporter les alliances, ben pauvre petit pit, c'est son heure de dodo habituel.
Fait qu'il faut pas lui demander à ce qu'il soit souriant pendant les photos, puis qu'il le fasse comme si c'était un professionnel. Habituellement, c'est son dodo. Donc, faire attention aux enfants lorsqu'ils sont jeunes, ça peut être fait. Si en public, ils sont gênés, attendez-vous pas à ce que par magie, il n'y a pas besoin de faire son dodo la journée de votre mariage ou qu'il va devenir quelqu'un de super joyeux en public alors qu'il ne l'a jamais été. Cette magie-là s'opère rarement. Et pour ce qui est des papas et des mamans, moi, je vois souvent des commentaires, exemple, on va en parler dans une capsule, entre autres, lorsqu'on va parler des traditions, mais je pense à la première danse avec le papa. Moi, je suis impliqué dans le domaine du mariage depuis fort longtemps. Puis si un jour ma fille se marie, ben je souhaite de tout cœur d'avoir la première danse. Si elle, de son côté, d'une danse avec elle, si elle, de son côté, se dit, oh, moi, cette tradition-là, c'est pas important, moi, je la veux pas, puis tout ça, puis elle oublie de m'en parler. Moi, j'arrive la journée du mariage, puis je me rends compte, hey, il n'y a pas eu la danse avec le papa, puis je m'attendais à ça. Si vous ne voulez pas la faire, parlez-en. Discutez-en avec les parents. Même chose pour, on a parlé des cérémonies dans une autre capsule, qui va signer, qui sont les témoins des mariages? Par tradition, c'est les papas. Je ne vous dis pas de prendre absolument vos papas, mais je vous dis que si vous ne les prenez pas, vos papas, peut-être qu'une discussion s'impose de dire, moi, je veux avoir ma soeur, je veux avoir mon ami qui va être témoin à mon mariage. Ben, glissez-en un petit mot au papa, dire, je sais qu'habituellement, c'est le papa qui vient signer le formulaire, mais on va garder un autre rôle dans le cortège, ou c'est toi qui vas m'amener dans l'allée, ou tout ça. Ou encore là, si vous dites, moi, je veux pas que mon papa m'amène dans l'allée, parlez-en de ça. Pensez pas régler des gros problèmes de famille ou de régler des problématiques la journée de votre mariage, réglez ça avant. Puis de la façon dont vous allez l'amener, ben ça va aider justement au processus parce que on en voit ça dans des mariages, des situations qui sont déplaisantes, des situations dans lesquelles on ne veut pas se retrouver parce qu'il y a eu un manque de communication à quelque part, tout simplement. C'est un événement important et c'est supposé être un événement heureux. Fait que si vous communiquez pas, on revient toujours, hein, mais ça reste que c'est la clé. Si vous ne communiquez pas bien vos besoins, vos désirs, vos attentes, les gens, eux aussi, en ont des attentes. Eux aussi ont déjà des appréhensions. Ils ont des souhaits. T'sais, s'ils vous en parlent pas et que vous en parlez pas, parce que ça, c'est bon pour vous, en tant que futur marié, d'en parler aux gens qui vont faire partie de votre cortège, mais inversement aussi, ouvrez une porte, posez des questions, voir si, est-ce que c'est vraiment important pour chaque personne, comme la danse par fille, est-ce que c'est important, tu sais, que pour le papa que ça soit fait, est-ce que c'est important pour l'enfant que ça soit fait. Puis des fois, tu sais, avec les familles reconstituées, on ne sait plus. Il y en a qui sont super proches, qui veulent que chaque étape soit faite avec le père, le beau-père. On veut pas brimer un, on leur attribue des rôles, puis c'est pas systématiquement obligatoire que ça soit standard, comme vous le voyez dans les photos, dans les vidéos de mariage, que ça soit toujours les mêmes étapes avec les mêmes personnes. Vous pouvez oser faire des choix différents, créer des implications différentes, donner des rôles à des personnes aussi. S'il y a beaucoup de monde proche de vous, vous voulez toutes les impliquer, tant mieux, informez-les, impliquez-les, puis vous pouvez descendre l'allée avec votre père, faire la première danse avec le beau-père, vous faire signer le beau-père si c'est votre réalité, puis ça fonctionne bien. Autrement, vous pouvez faire même la danse avec votre mère parce qu'on le voit de plus en plus. Si le papa n'est pas là, puis que vous voulez la faire, la danse avec votre mère parce qu'elle n'a pas été impliquée, parce que c'est pas elle que vous avez pris comme témoin ou des choses comme ça, faites-le, puis gênez-vous pas de le faire. Allez-y avec qu'est-ce qui vous tente, qu'est-ce qui vous plaît. Puis, faut pas oublier une chose, il faut se rappeler qu'après le mariage, si vous voulez pas avoir de regrets, pensez-y, prenez des belles décisions en conséquence, puis définissez vraiment vos besoins. Je pense que c'est la base de toute chose, puis même pour le célébrant. T'sais, je sais que, puis je prends toujours un célébrant certifié parce que, sincèrement, c'est pas la même chose. Vous donnez une grosse tâche à quelqu'un qui n'est pas habitué de faire ça quand vous attribuez le rôle de célébrant d'un jour à un membre de votre famille ou à quelqu'un proche, mais le célébrant aussi, si c'est un membre proche de vous, c'est une personne proche que vous allez mandater pour faire votre cérémonie de mariage, bien, cette personne-là fait automatiquement partie du cortège pour moi. Fait qu'on englobe tous ceux finalement qui vont participer un petit peu à la cérémonie. Parce que les garçons d'honneur, les demoiselles d'honneur vont participer souvent beaucoup pour la préparation.
vos parents vont être un petit peu plus. Il y en a qui vont être là pendant la préparation, il y en a que ça va être vraiment la cérémonie. Le célébrant ou la célébrante, c'est souvent à la cérémonie, mais elle fait partie du cortège, elle va avoir des rôles. Des fois, c'est les personnes qui vont faire dans la soirée des discours, qui vont faire des toasts. Il faut qu'ils sachent à quoi s'attendre parce que peut-être qu'ils ne sont pas mariés, peut-être qu'ils n'ont pas vécu le mariage à l'envers du décor, qu'ils sont juste allés comme à titre d'invité. L'implication est vraiment différente lorsqu'on fait partie du cortège. C'est important, c'est pas juste d'être là pour être là. Pour certaines personnes, oui. Pour d'autres personnes, non. Fait que je pense que de faire un bon choix judicieux, de prendre des personnes fiables aussi et de ne pas se gêner, de leur attribuer des choses qui vont avec eux. Si vous donnez à quelqu'un une tâche d'organisation, qui est une personne qui n'est pas organisée du tout, c'est peut-être pas l'idéal. Fait que allez-y pour le livre de signature, comme tu disais tantôt, de faire un petit discours plus rigolo, ça va bien passer. Mais la tâche de gérer une journée, par exemple, c'est peut-être pas l'idéal pour cette personne-là. Tu as parlé des parents tantôt, exemple. Une question qu'on a souvent, c'est est-ce que mes parents vont être à la table d'honneur? Mes parents viennent de se séparer et mon papa y a une nouvelle blonde. Ça, je peux te dire, c'est des situations. Et moi, quand j'entends ça, c'est sûr que je prends le téléphone et je pose la question à la maman. Tu sais, je passe pas par quatre chemins là. Puis c'est pas à moi. J'essaie pas de régler la situation là. J'essaie pas qu'ils reviennent ensemble ou tout ça. Mais je suis conscient que c'est une journée de mariage. Et moi, ce que j'explique aux parents à ce moment-là, c'est de leur dire, vous êtes pas là pour être en guerre avec votre ex-conjoint, ex-conjointe, vous êtes là pour le mariage de votre garçon ou de votre fille. Le plus beau cadeau que vous pouvez leur faire, c'est de respecter l'événement et de ne pas en faire une chicane de famille ou de ne pas en profiter pour amener ça sous une chicane de famille. Donc, est-ce que vous êtes à l'aise d'être assis à la table d'honneur, même si la nouvelle conjointe est là? C'est une heure et demie le repas, là. Puis je vous demande juste d'endurer ça, mais faites-le pour votre garçon ou pour votre fille. Ça arrive que j'ai ce genre de discussion-là, mais souvent, quand les mariés peuvent le faire, c'est encore mieux de dire, je sais, papa, il y a une nouvelle blonde, maman, puis je sais que tu ne l'aimes pas, puis tout ça. Est-ce que ça te dérange si toi, tu vas être assis à côté de moi, il va avoir papa, puis il va avoir sa nouvelle conjointe. Est-ce qu'on peut, tu peux endurer ça pour une journée, puis les photos, est-ce que tu veux, tu sais. C'est le genre de choses qu'il faut régler avant de ne pas penser que ça va se régler la journée du mariage. Donc, moi, j'ai envie de conclure en disant le point central de bien choisir son cortège, c'est de dévoiler nos attentes et la communication, de communiquer, de ne pas penser que tout va se régler par magie la journée du mariage, de bien définir nos attentes et que c'est votre mariage à vous. Des fois, s'il y a une maman qui s'interpose un petit peu, qui veut prendre des décisions, de lui expliquer, c'est notre mariage à nous et on prend les décisions au mieux de nos connaissances. Exactement. Je pense que c'est un beau résumé. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine capsule Parlons mariage. Passe une belle journée, une belle Bye soirée. bye.